Le 1er janvier 2023, Shana Kress et Jonathan Matija ont été cambriolés alors qu'ils célébraient la nouvelle année. 3 semaines après le drame, le jeune papa était dans TPMP pour révéler qu'il avait décidé de mener l'enquête de lui-même, avec un premier résultat. Shana Kress et Jonathan Matija ont été victimes d'un cambriolage, tout juste quelques semaines après avoir accueilli leur premier enfant. Une épreuve traumatisante pour la famille qui ne se sent plus en sécurité en France. C'est décidé, les jeunes parents veulent partir s'installer à l'étranger, et ils ont déjà une idée du pays. Mais Shana et Jonathan ont été accusés par certains internautes d'avoir menti sur le cambriolage, pour faire du buzz. Excédé, Shana a répondu, « On a posté une photo au moment où ça s'est passé, on a vécu quelque chose de traumatisant, c'était pas facile. Maintenant comme vous le savez, on vous met tout sur YouTube. La vidéo sort demain, vous aurez toutes les explications. Il y a même des caméras de surveillance, donc vous verrez. » Pour ceux qui pensent qu'on est des mythos, cesse-t-elle justifier. Alors en week-end à Monaco, ils avaient reçu un appel de leur voisine leur annonçant la mauvaise nouvelle. Dans la foulée, Jonathan Matija, qui a perdu sa nonne peu de temps après, a réalisé que sa voiture avait elle aussi disparu. C'était déjà un choc de savoir qu'on s'est fait cambrioler, mais je viens de me rendre compte qu'on m'a aussi volé mon 4x4. Ma fierté, elle en prend un coup. Le temps ne joue pas en ma faveur donc j'ai pas envie d'attendre suite au cambriolage, Jonathan Matija a lancé un appel sur les réseaux sociaux, besoin de vous. Les réseaux sociaux sont d'une puissance monstre, alors tentons l'impossible, trouvons les cambrioleurs. Toute personne qui entend parler d'un moindre détail lié à notre cambriolage, écrivez-moi. Le jeune père a voulu se faire justice lui-même. Et il a retrouvé sa voiture. Il est revenu sur l'affaire dans TPMP ce 24 janvier sur C8. Il a d'abord expliqué pourquoi il avait décidé de prendre les devants sur la police. Quand je porte plainte, je sors du commissariat et franchement je suis assez déçu, je me rends compte que ça va être très compliqué, que les choses vont prendre beaucoup trop de temps, et je me doute bien que dans cette situation, le temps ne joue pas en ma faveur donc je me dis j'ai pas envie d'attendre que les choses se passent et que je sois déçu donc je décide de prendre les devants, les choses vont pas bouger donc je décide de partir à la recherche du véhicule volé, commence-t-il. Avant de poursuivre, je me rappelle que les ordinateurs et téléphones ont été retrouvés dans une poubelle en bas d'une cité, là où on vit, à proximité de là où on vit, et je me dis il y a de grandes chances pour que le véhicule soit pas loin. Si on a un peu de chance, peut-être qu'elle est garée au fond d'un parking dans une cave, ou alors simplement quelque part donc je décide de partir et je tourne avec ma voiture sans vraiment être certain de ce que j'avais trouvé, mais par chance je tombe dessus. Elle était garée le plus normalement du monde, raconte Jonathan. Jonathan Matija regrette un peu d'avoir contacté la police. La voiture a été déplacée après la venue de la BAC, pour expertise et Jonathan Matija l'a ensuite récupérée. Mais ça ne s'arrête pas là car le jeune papa a décidé coûte que coûte d'essayer de retrouver les voleurs. Il a donc garé à nouveau sa voiture où il l'avait retrouvée tout en y apposant un traceur dans l'espoir que les cambrioleurs la récupèrent et que Jonathan puisse les appréhender. Hélas, au bout de 2 semaines, la voiture était toujours à sa place. Le compagnon de Shana Kress regrette malgré tout un peu d'avoir contacté la police. Parce que si j'avais su qu'il n'allait pas prendre les choses en main comme je viens de le décrire, je l'aurais laissé, j'aurais acheté un traceur, je l'aurais planqué, et j'aurais moi-même essayé de voir si elle bougeait et après je sais pas ce que j'aurais fait.
J'aurais peut-être appelé la police, peut-être qu'on aurait eu plus de chances de les coincer, a regretté celui qui a avoué qu'il poursuivait son enquête de son côté pour retrouver les autres objets dérobés. À lire aussi, on était visé, Shana Kress et Jonathan Matija sous le choc après le cambriolage dont ils ont été victimes, ils dévoilent des images de surveillance touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal.